mon frère, tu vas au lit la nuit, tout va bien. Tu te lèves le matin, tu veux sortir. Tu vois seulement, on dit que oh, mamie ton n'est plus là. Mamie ton est dans la nuit. Mais c'est là que tu comprends que non. Ta vie ne t'appartient. Bon, ta vie t'appartient d'une certaine manière. Mais ce n'est pas toi qui décides de quand et de comment. Franchement, cette affaire-là. Hé, hey, papa Got. Un monument du cinéma camerounais. Une artiste d'envergure. Vraiment, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ouais, mon Dieu. C'est vrai que la vie n'est rien. Ça faisait quand même 2 semaines déjà que la maman était, était là-bas dans le coma à l'hôpital général. C'est vrai que c'est le genre de choses, on pouvait s'y attendre, mais ça fait toujours mal de voir qu'une personne est partie comme ça et qu'on ne puisse rien faire pour elle, surtout à cet âge-là, parce que mamie Ton décède à 54 ans. 54 ans, c'est un peu comme, je dirais, nous avons grandi ensemble, parce que si aujourd'hui nous sommes dans la trentaine, quand elle faisait les déballeurs là, c'est des gens qui nous berçaient pendant qu'on grandissait. Donc aujourd'hui, nous dire qu'elle n'est pas là, franchement, c'est un très gros choc. Et j'espère que sa famille réussit à tenir le coup. Parce que là, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Moi, je suis un peu... Quand je vois les êtres humains qui n'ont aucune humilité, il y a des êtres humains qui te diront, tu sais qui je suis, tu connais mes propriétés, tu connais machin. Tu sais si ta propriété, ta maison que tu es en train de construire là, est-ce que tu sais si tu vas dormir dedans? Tu sais même pas si tu vas dormir dans la maison que tu es en train de construire là. Tu ne sais même pas si ton argent qui est rempli en banque là, tu vas encore voir ça demain. Et même si tu dors dans la maison, tu sais pas si tu vas te réveiller le matin. Tu ne sais même pas si tes beaux habits que tu achètes, que tu portes, que tu crânes avec là, hein? Tu ne sais même pas si ta voiture, ta belle voiture que tu as là, tu vas encore conduire ça demain. Tu ne sais pas. Mais tu es là, on ne peut pas respirer. Oh, tu sais qui je suis. Tu es qui, maman? Tu es qui? Tu es qui, mon frère? Tu es quelqu'un parce que Dieu a décidé, hein? Sinon, tu n'es rien. Tu n'es personne. Quand il décide là, qui va t'éteindre ton interrupteur? Il va éteindre et tu ne pourras rien faire. Tu as compris? Ok. Bon, vraiment, bon courage à la famille de Mamie Ton et mes condoléances aux Camerounais, mes condoléances aux fans, mes condoléances aux personnes pour qui elle était chère. Maman va y reposer en paix. C'est